Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette vidéo, tous abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo parce que ce que j'ai même vu ici, ça m'a même étonné. Un homme, pour se faire de l'argent, il utilise bon, vous savez, les femmes là, quand elles ont les règles, souvent elles utilisent des choses pour faire les toilettes là, voilà. Il utilise ça, des choses de toilette de sa copine, pour aller faire des fétiches, juste pour avoir de l'argent. Elle-même, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ah, peut-être que vous pouvez penser que c'est de la blague. Si cette vidéo n'avait pas été filmée, vous ne l'aurez pas cru. Ici, les gens l'ont attrapé et ils l'ont exposé juste comme ça. Pour que nous puissions juste voir ce qui se passe, juste voir ce qui se passe. Vraiment, le monde fait peur. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire juste pour de l'argent. Vous devez partager cette vidéo pour prévenir vos copines, vos soeurs et autres. C'est parti. Est-ce que vous avez partagé cette vidéo? Et est-ce que vous êtes abonné? Si c'est fait, c'est extraordinaire. Nous avons trois chaînes. Quelques questions se posent aussi. Allez voir. Abonnez-vous à notre chaîne. Et soyez maintenant prêts. Pour de l'argent. For money. Regardez ce que les gens sont prêts à faire. Regardez même ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez sans doute pas cru. Ce gars, il est ici. Et il tient quelque chose dans la main. Et quand on regarde de plus près, on voit effectivement qu'il y a des choses étrangissimes ici. Ça, ce sont des trucs que sa copine utilise pour pour faire cette toilette. Et lui, c'est ce que lui a vu pour prendre, pour faire des rituels. Hein? Est-ce que c'est de la blague? Vous pouvez penser que c'est de la blague. Donc vous serez surpris parce que vous allez voir. Avant de vous montrer même ces choses, nous allons d'abord vous montrer ce qui se passe. Ce que les gens sont en train de faire même. Ce que les jeunes gens sont en train de faire ces temps-ci. Ah, au lieu de travailler dur comme nous, les gens sont en train de faire des trucs terribles pour avoir de l'argent. Pour avoir même, je dirais même, beaucoup d'argent. Regardez ça. Est-ce que vous imaginez que la fille, elle est juste couchée même dans des billets de banque, quoi. Elle est couchée dans une baignoire, recouverte de billets de banque. Si c'est son argent et qu'elle a gagné son argent, elle a sauvé son fond, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'argent du rituel, là, il ne faut pas l'envier. Il ne faut jamais envier quelqu'un à cause de son succès ou à cause de son argent. Ça, c'est un vrai conseil d'amis. Comme vous voyez, voici ce que les gens sont en train de faire pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça peut vous séduire. Ça peut vous attirer. Mais c'est beaucoup d'argent. Mon Dieu. Les gens m'ont dit, ah oui, c'est beaucoup d'argent, donne-nous aussi. Si ce n'est pas pour toi, tu ne sais pas où la personne a eu son argent. Il ne faut pas l'envier. Ne lui demande pas son argent, laisse-le passer. Sinon, il risque de te sacrifier avec son argent. Regardez même ça. Ouh, regardez. Beaucoup d'argent comme ça. Ah! Est-ce que c'est même un jeu? Ce sont des billets de banque. 10 000, 5 000 francs. Vous voyez? 10 000 francs CFA, 5 000 francs CFA. 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et 10 000. Est-ce que c'est le drapeau de ton équipe nationale ou quoi? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup d'argent et vous ne savez pas d'où ça vient. Ce que vous voyez la plupart du temps, c'est ce qu'ils en font sur les réseaux sociaux. Souvent, ils font du bocal. On a fait des vidéos par rapport à ça. Là, c'est 40 millions de dollars retrouvés dans une chambre d'hôtel. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. On peut dire le phénomène de boutage, un tas de choses. Voici un gars, on lui dit qu'il était riche ici, après il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? Un tas de choses bizarres qui sont pas du tout jolies.
Maintenant, soyez prêts à voir ce que nous allons vous montrer. La vie est tellement compliquée. Il y a des choses bizarres. Regardez même ça. Ce gars, il est ici. Il a été attrapé. Ah, comment les gens ont-ils fait même pour l'attraper? Je ne sais pas. Mais vous allez voir ça. Là, il a attrapé, il lui pose des questions. Il pense qu'ils vont le frapper encore. Et regardez, on nous montre maintenant les choses de sa copine. Les choses. On lui utilisait des serviettes hygiéniques. Des serviettes hygiéniques de sa petite amie pour faire ça. Ce sont les serviettes hygiéniques. Il utilise ses serviettes hygiéniques pour aller, faire des rituels d'argent. On lui demande d'enlever, on lui demande de lui montrer. Et regardez tous ces trucs bizarres. Ce sont des médicaments, c'est quoi ça là? Regardez. D'où vient cette chose? Et il avait tout ça dans son sac. Pour aller faire son bagbadji. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais vous imaginez même pas ce que les gens sont même prêts à faire pour de l'argent. Ma soeur, si toi tu es un gars, fais attention. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est une bonne protection pour toi. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Aujourd'hui, là, le monde fait peur. Avoir même confiance à quelqu'un, même là, c'est pas une bonne affaire. Même à la fin de cette vidéo, tu vas voir une vidéo qui va apparaître sur l'écran, juste ici. Tu vas voir un gars. Lui, il est allé travailler en Europe, il revient à la maison. Il n'a rien qu'il a donné pour qu'on réalise ces choses. Ses parents ont tout bouffé. Il s'est lui-même mis en colère. C'est étonnant. Regardez ça. L'homme est multidimensionnel. Vous ne pouvez jamais connaître l'homme de sa plénitude. L'homme peut être bon aujourd'hui et mauvais demain. Faites très attention. Là, on nous dit chez nous, tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. On l'a attrapé avec tout ça. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? Et comment ça se passe? Sans doute, vous avez déjà entendu des gens dire, ah, voici ma rivale a pris mon CD pour aller chez un féticheur, tentait de me rendre folle. Oui! Il y a des rivales, tellement elles sont jalouses, elles veulent être numéro un. Elles ont envie de prendre les sous-vêtements de leur rival pour aller sur les féticheurs. Toutes ces choses, ça marche. Toutes ces choses marchent. Et c'est ce que les gens sont des fois aujourd'hui. Ils prennent les sous-vêtements des femmes. Ou bien les serviettes hygiéniques des femmes. Là, pour aller faire des trucs bizarres. Et il y a des gens qui sont compliqués ici. Hein. Eux, au lieu de se ranger, ils sont là en train de regarder et dire « Ah, nous on se répond. Aujourd'hui, tu viens de nous apprendre quelque chose. » Comme vous pouvez regarder maintenant, c'est quoi? Il dit « Ouh, je ne savais pas qu'il pourrait utiliser ça pour aller me faire du sou. » En fait, lui, il n'est pas intéressé par tout ce que son été dit. Lui, il regarde et il cherche à savoir comment il va faire pour augmenter son pouvoir au cœur ou bien ses richesses. Si tu es dans des telles choses et que c'est ce que tu es en train de faire et que tu continues à faire, le juste ça, c'est retourner contre toi là. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas averti. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas informé du danger de la chose. La fille là, c'est enfant de quelqu'un, hein? 9 mois de quelqu'un. Tu vas lui voler son étoile pour pouvoir toi te faire des sous, pour pouvoir te faire de l'argent. Mais le jour où un homme de Dieu va venir te gifler là-bas, là, quand tu as quitté dans ça, tu vas venir prêter en même temps. Toi qui as des choses pareilles, comment ça te confesser? Faut te confesser dès avant que la colère de Dieu s'abatte sur toi, enfant des gens, à cause de ton enfant, elle a été de souffrir. Parce que tu as volé quelque chose qui lui appartient. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Partagez cette vidéo et surtout, soyez vigilants. Mes soeurs, mes copines, mes chéris, vous êtes jolies. Faites attention. Sur la terre, il y a trop de mauvaises choses. Ayez confiance en Dieu seul. Et ayez peur de Dieu seul, sinon Dieu seul. L'homme, il n'est plus comme avant. Même Dieu lui-même, souvent même regrette d'avoir créé l'homme. L'homme est méchant. Mais vous, soyez gentils. Abonnez-vous et partagez cette vidéo maintenant. C'est parti.